la garnison des prophètes, elle est déjà là. Donc, ce mois d'avril, les 16, 17 et 18, trois jours, dans la présence de Dieu avec notre père, le révérend prophète Ekane Ferdinand. Nous vous attendons à la bille, des moments très agréables que nous allons partager ensemble. Venez nombreux et vous allez obtenir votre héritage de notre père, le révérend prophète Ekane. La clôture sera le 19 avril au palais de congrès à Yaoundé. Avec la nuit de prière. Ça s'annonce vraiment grandiose avec des programmes de puissance. Et le thème sera plus exactement, nous allons connaître comment hériter, comment prendre l'héritage des pères. Soyez grandement la bienvenue ici à Rema Ministry. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous allez recevoir ce message. Je puis déjà vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'après plusieurs éditions, nous avons tellement souhaité la garnison des prophètes, elle est déjà là. Donc ce mois d'avril, les 16, 17 et 18, trois jours, dans la présence de Dieu avec notre père, le révérend prophète Ekane Ferdinand, l'oracle de l'Éternel. Deux sessions par jour, le matin de 9h à 12h et le soir de 17h à 20h. Et le thème de la garnison des prophètes pour cette année, la première moitié de l'année 2024, l'héritage des pères. Après ces trois jours à la base internationale Rema en Kouaban, nous serons au palais des congrès pour la clôture. Avec la nuit de la victoire qui va se tenir vendredi le 19 avril à partir de 21h. Je dis bien au palais des congrès à partir de 21h. Donc, je suis là pour inviter mes frères, mes sœurs, fils et filles de prophètes, tous ceux qui sont appelés au ministère, quel que soit le grade, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, quel que soit le grade, bien-aimés, vous êtes invités. Ceux qui aspirent, ceux qui sont déjà bien-aimés, aucune barrière, aucune limitation, venez seulement. Vous savez, chaque fois qu'il y a la garnison d'un prophète, nous nous abreuvons à la bonne source, la parole de Dieu et beaucoup plus les mystères du ministère. Et là, le Père nous enseigne, nous donne les secrets pour pouvoir grandir et surtout réussir dans le ministère. Donc, je pense que cette occasion, cette opportunité est une opportunité qu'on ne doit en aucun cas rater. Donc, vous êtes attendus trois jours à la Bible, comme je l'ai dit, et un jour, la clôture au palais des congrès. Donc, nous bénissons l'Éternel encore pour ce programme. Moi, personnellement, je serai là. Et vous, où serez-vous? Que le Dieu de notre Père nous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Shalom. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis le prophète Roland Martial Ngavoro. J'avais reçu cette onction prophétique par le révérend prophète Ekane. Et je vous invite à venir se connecter à cette grâce. Parce que lorsque Dieu dépose la grâce sur quelqu'un, cette personne partage cette grâce avec tout le monde entier. Donc vous êtes invité. Vous êtes invité à se retrouver. Quand on se rencontre à la garnison des prophètes, à la bille, en Kouaban. Lorsque vous êtes en Kouaban, vous prenez la moto, bille, on va vous déposer. Nous vous annonçons la date.
que vous ne oubliez pas, du 16 au 18. La clôture sera le 19 avril au palais de congrès à Yaoundé, avec la nuit de prière. Tous les prophètes du Cameroun qui sont là pour être, qui veulent être enseignés, qui veulent recevoir la grâce du révérend prophète de Kane, doivent se rendre à la Bille du 16 au 18. Donc, invitez encore vos amis, appelez ceux qui sont en Europe, appelez tout le monde. Ceux qui sont à la traversée, à Evodoula, à Monatiele, sans oublier mon village Endo, là où je suis né, je vous invite à venir se connecter à la grâce qui vous accompagnera à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes en train de venir. Toi qui es pasteur, révérend, apôtre, vous êtes invité du 16 au 19 avril 2024 à la Bille de venir obtenir votre héritage de votre père, le révérend Ferdinand Ekane. Lorsqu'un père déclare qu'il va donner l'héritage, ne le manquez pas. Nous vous attendons à la Bille, des moments très agréables que nous allons partager ensemble. Venez nombreux et vous allez obtenir votre héritage de notre père, le révérend prophète Ekane. Bien-aimés, merci. La garnison des prophètes de l'année 2024 est organisée par notre père. Du 16 au 18, venez nombreux obtenir l'héritage de notre père dans la maison. Il est bien possible que chacun de nous obtienne de ce qui est de notre père. Et le notre rendez-vous, nous allons clôturer le 19 au palais des congrès. Ne manquez pas, venez nombreux, obtenez ce que papa a en lui. Ne manquez pas l'événement, bien-aimé. Il y a encore de très grandes choses qui s'annoncent, notamment la garnison des prophètes qui commencera du 16 et se terminera le 18. De ce mois-ci, de ce mois d'avril. Donc, ça s'annonce vraiment grandiose avec des programmes de puissance. Et le thème sera plus exactement, nous allons connaître comment hériter, comment prendre l'héritage des pères. Et je vous invite tous massivement à participer à ce programme. Ce programme change des ministères. Ce programme donne des secrets, des clés pour faire croître des ministères. Et je suis au rendez-vous, je t'invite aussi à être au rendez-vous, peu importe où tu es. Tu peux être quelque part en Afrique, tu peux être en France, en Europe, peu importe où tu es un homme de Dieu ou tu es aspirant au ministère. Je te prie d'être là, de venir, t'inscrire dès maintenant. Bien aimé, il faut dire que c'est gratuit. Quand je parle d'inscription, c'est juste commencer à prendre vos billets maintenant pour venir. N'attendez pas lorsque, voilà, lorsque la dernière minute pour pouvoir participer à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, shalom à tous. En tout cas, moi je suis la sœur Francine, servant l'Éternel. Je viens de la République démocratique du Congo, de la ville de Kinshasa. En tout cas, je vous invite très nombreux, vous qui êtes serviteurs et servant l'Éternel, ici au Cameroun et dans d'autres pays ailleurs, de venir participer à la garnison des prophètes qu'organise notre père spirituel, le prophète Ferdinand Ekane. Ce sera du 16 au 18 avril 2024. Soyez grandement la bienvenue ici à Rema Ministry. Nous vous aimons beaucoup et vous bénissons au nom souverain de Jésus de Nazareth.